3 contre 2, Laval. Maillet tentait d'envoyer. Un peu plus loin, c'est Heinemann qui envoie vers Roy. Devant le filet, bonne occasion. On a vu faire chuter Heinemann. C'est la contre-attaque de Armia. Armia au centre de la glace en territoire offensif. Armia attire l'attention derrière pour Farrell. Dans les patins, ne peut tirer. C'est récupéré par Stevens. La remise à Armia. Le tir! Et le but! Joel Armia marque le premier but de la saison. Et c'est 1-0 Rocket. Et qui d'autre pour marquer ce premier but de la saison, Anthony? Ce jeu-là est issu un peu de la zone neutre. L'exécution entre lui et Sean Farrell. Beaucoup de rapidité pour amener cette rondelle-là de la zone neutre vers la zone offensive. Et c'est Mitch Stevens qui est très habile pour remporter sa bagarre en coin de territoire. Et repère Joel Armia qui converge vers le filet. Le trafic était quand même assez dense devant le gardien de but, Seelhoff. Et le tir de Armia qui est fait. Relance l'attaque pour Roy. La passe derrière à Norlinder. Près du filet pour Maillet. Il n'a pu récupérer. Maillet, ligne bleue pour Maillot. Le tir de loin. C'est David vol filet de Seelhoff. Norlinder qui va les reprendre dans le coin. Le Rocket qui menace encore. Ça va vite pour les Canucks en ce début de match. Porté. Les Canucks s'installent. Trice le tir. Bloqué par Dovech, un bel arrêt. Ouais. Baines pour reprendre au cercle droit. La remise à la ligne bleue. Bien installé des Canucks. Baines à nouveau au cercle droit. Dans l'enclave, le tir et le but! Vassili, pas de coup. Est sur cet avantage numérique. La rondelle circulait très, très bien dans le rôle de joueur. Ça passe, c'est Roy qui reprend. Vers Struble, derrière à Maillet. À la remorque, Heinemann ne parvient pas à tirer. Roy reprend au cercle. Joshua Roy se retourne, la remise pour Heinemann, à la remorque à Roy. Belle fin, dans l'enclave, le tir et le but! Joshua Roy marque son premier but chez les professionnels à un Laval! Et quel but ça a été pour Joshua Roy! Et ça, franchement, Anthony, c'est extraordinaire de la part de Joshua Roy. Le calme en possession de la rondelle en zone offensive. L'attaque était bien installée du côté du Rocket. Et vraiment, la combinaison entre Heinemann et Roy fonctionne à merveille ce soir. Roy qui déculotte complètement le joueur des Canucks qui était chargé de sa couverture. Avant d'y aller d'un tir bas qui échappe complètement à Arthur Seelhoff, qui bat peut-être. Heinemann parvient à garder en zone ennemie. Intervention de Paquette Bisson qui se porte à l'attaque. Il a été frappé. On a qui revient vers l'enclave. Roy, Victor, devant le filet, il est accroché. Chute au sol, il y aura pénalité. Roy, derrière vers Heinemann. Du revers, passe les buts à Struble, c'est bien joué. De Struble à Paquette Bisson, à Struble. Confusion entre les deux joueurs. Rondelle qui va quitter le territoire. On n'a pas pu reprendre possession pour les Canucks. J'ai dit adieu aux problèmes de feuilles de temps. Déjà plus de 35 000 utilisateurs. MobilePunch.com. Contre-attaque de Baines, territoire du Rocket, déborde la défense, une remise devant et le but! Première. Et les Canucks, une très très belle sortie de zone. HD Baines, qui est un des, si c'est pas le meilleur attaquant, des visiteurs depuis le début de ce match. Et William Trudeau un peu en retard. Contre-attaque, ça passe, qui frappe Trudeau à la culotte. Maillot qui reprend, la longue passe à Kidney, va s'échapper! Kidney le tire! L'arrêt de Seelhoff! Et le retour est dans le coin. Quelle passe de Maillot! Oh oui! Revers. Va trouver Farrell, la contre-attaque du revers à son tour pour Struble. Il y a Farrell. Zone ennemie. Sean Farrell cherche une option. Le tir. L'arrêt de Seelhoff. Le retour à Wolanin devant le ici. Baines. Remise des bleus. La frappe. Il a vu. Jack Rathbone. Il avait plus la plus grande structure qui tenait en zone défensive, surtout avec Maillot et Norlinder. Une présence pour patient pour procéder. De belle façon. Oh, et Trudeau est cafouillé. La passe à l'enclave. Carlson et le but. Linus Carlson. Une bévue de jeunes joueurs et une belle pression ici de la part de Max Sasson qui est patient, joue bien avec son bâton pour embêter tout. Ça revient au bâton de Kidney en défense. Du côté gauche à Norlinder. À Maillot. Passe au centre. Bien réussi à Roy. Échappe le disque sous pression de la part de Johansson. Lindstrom, plus loin, c'est bien fait. À Simoneau, parvient pas à tirer là, sur l'offrande de Kidney. Qui craignait de se faire frapper et ce sera le revirement. Voilà les Canucks, le tir à but! Et à la place Belle. Et quelle remise ici vers Podkolzin dans l'enclave. À Brandon Gignac, près de son banc. Belle remise de Gignac à Trudeau. Il entre en zone ennemie vers Condotta, échappe le disque. Condotta derrière à Gignac, le tir, le but! Brandon Gignac se maintient quand même. Belle à deux attaquants des Canucks qui entrent en collision et ensuite passe au centre un peu loin. On va accepter ce dégagement. Et c'est Norlinder qui vient rechercher le disque en défensive. Il est frappé sévèrement dans le coin. Et Maillot va engager le combat. C'est parti. Waters et Maillot. Et c'est parti. On s'est séparés pour avoir fait contact. Maillot est gaucher, on le sait. Chute au sol. Waters qui se relève. Il n'a pas eu le coup porté. Et les officiels interviennent. Tout de suite, Logan Maillot s'est porté.
avait le focus là, sur la rondelle qui voulait sortir de la zone défensive. Là, Waters est venu terminer sa mise en échec sur Norlinder qui vraiment s'est étendu de tout son long en coin de patinoire à la gauche du gardien de but Strassman. Et là, Mayo n'a pas hésité. Jamais hésité. Ouais, la contre-attaque du Rocket. Philippe Maillet va s'en aller avec Roy à droite. La passe vers Roy qui s'était sur son revers et remporté. Roy envoie Norlinder pour Farrell à Norlinder à la ligne bleue qui ramène à Farrell du cercle gauche. Farrell cherche une option. Conserve le disque longuement pour Philippe Maillet. Maillet à Farrell. Transversal. Norlinder qui finit par tirer, s'attardait un peu. Il n'était pas en situation de tirer sur réception. Farrell à Maillet. Il s'approche. Voilà le tir. C'est bloqué devant. Beau jeu de JetBlue. Maillet à Farrell. Norlinder qui tire. Et un autre tir bloqué. On paie le prix. Ouais, Irwin cette fois. Ça se poursuit. Roy à Farrell qui ramène à Roy derrière. Ce qu'il possède de bonne main, Joshua Roy. Derrière à Farrell. Farrell vers Roy. Ça a été en partie bloqué. Roy veut gagner sa bagarre dans le coin face à Wu. Et c'est Wu qui fait du bon. Dégagement maintenu par Mayu, saute dans les airs pour la garder en zone offensive. C'est bien joué de sa part. Ça donne un angle d'attaque, s'avance au filet, échappe le disque malheureusement. Rondelle qui est vers le but. À Farrell, qui repasse ligne bleue pour Stevens. À Farrell, au cercle. Ligne bleue à Norlinder. Son tir, dévié dedans. Roy au retour. Quel arrêt et le but! Yoel Armia, qui complète sur le retour. Le tir de Joshua Roy. Un deuxième dans le match. Gardien de but Arthur Seelovs et Farrell qui a repéré Norlinder et ensuite la rondelle s'est retrouvée en coin de territoire et Joshua Roy a tenté de déjouer le gardien de but letton d'un angle restreint mais la rondelle demeure là tout près de la peinture bleue et Armia qui s'aventure. Yeah. On a dans les patins qui lui échappent, Sassoon qui s'avance, bonne mise en échec de Jaden Struble et par la suite on s'y prend à deux pour frapper McDonough dans le coin. Heidemann cherche à reprendre. C'est bloqué ligne bleue par Wolanin qui retourne. Armia derrière à Mayu. Son tir. C'est bloqué devant. Rondelle libre. Armia qui rate un filet désert. Oh, quelle chance. Oh. Qui renvoie à Roy. Son tir est dévié. L'arrêt de silence. L'empilade au filet. La cage qui sort ses amarres. Et on entend le sifflet. Et on veut tester. Ton brisé chez les Canucks. Roy renvoie vers Stevens. Qui retourne à Roy. Son tir rate par-dessus le gardien. Ça frappe la rampe. Norlinder est frappé. Prend le contact et garde en vie derrière le filet. Armia en contrôle de disque. Armia, ligne bleue à Farrell. Vers Norlinder, à Farrell. Derrière à Norlinder. La frappe, c'est bloqué. Farrell va tenter de reprendre. Il est pressé de toutes parts. La remise à Norlinder sous pression. La passe à Roy, transversale et Armia qui rate encore une chance en or. On vient de pousser un joueur du Rocket sur le filet. C'est Stevens. Mayu sent la glace. Entre en zone offensive. Remise soulevée pour Heinemann. Plaquage en fond de territoire. Dégagement. Pudo veut garder à tout prix en zone ennemie. À la ligne bleue, Mayu intervient pour garder en zone adverse. À Trudeau. Trudeau, ligne bleue pour Mayu. Mayu feinte de tirer. Pas d'angle. À Trudeau. Feinte lui aussi. Échappe la rondelle. Mayu va réussir à la garder en zone ennemie. Tentative de passe